Naomi. C'est long. Ivanov. Mm-hmm. Camilla. René. Bon, l'histoire en gros, il y a eu un accident de métro à Tokyo et nous sommes deux, ou alors tous les personnages qu'on vient de voir, à être bloqués dans les souterrains du métro. Et dans les souterrains du métro, il y a une créature qui rôde et on va devoir lui échapper. Donc, bienvenue dans ce let's play d'Halloween 2017 sur Hell Knight, ou alors dans les pays japonais et états-uniens appelés Dark Messiah. Donc voilà, ça a été sorti en 1999, voire 98 pour ceux qui l'ont eu en premier. Non, on ne veut pas l'intro de nouveau. Et particularité de ce jeu, c'est que voilà, Hell Knight, comme j'ai dit, c'est le nom français, malgré qu'il soit anglais comme titre. On peut aller dans les options tout de suite et voir qu'il y a comme langage anglais, allemand ou français. Donc voilà, j'ai pris le français, bon là, c'est New Game et tout ça, comme d'habitude. Mais c'est bel et bien français. Donc vous voyez aussi, derrière moi, je me suis mis dans le noir complet pour être dans l'ambiance de ce let's play, dans l'ambiance d'Halloween. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour ce let's play. Qu'est-ce qu'ils font comme recherche? Recherche sur le clonage, sûrement, ou alors la création du fameux monstre dont j'ai parlé tout à l'heure. L'expérimentation a l'air plutôt méchante. Donc il y a un culte qui s'appelle je ne sais plus quoi. Et il y a des disparitions dans le métro de Tokyo. Donc ça c'est un prêcheur pour ce culte-là, je suppose. Il est en train de faire sa petite pub pour sa... Il est en train de prêcher la bonne parole.
Et voilà, comme je vous ai dit, le métro est en train de partir. Mais qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, les gens ont l'air de bien se faire chier à l'intérieur. Pourquoi il continue de me suivre? Se dit l'homme abasourdi. Voilà. Le métro a fauché un mec et a dû s'arrêter d'urgence. Sauf que ce n'était pas un mec. Donc ça, c'est Naomi. Je suis désolé, je voulais pas te crier dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce que c'est ces horribles bruits? Attends! Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah! Bon, je fais le doublage comme je peux. Hein. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc Naomi court. Aidez-moi! Ne bougez pas! Mettez vos mains en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous venez? Ça va trop vite! Donc voilà, on suppose que les soldats en question sont censés nettoyer l'endroit. Il y a des monstres, clairement. Et on s'engouffre dans les souterrains. Le jeu commence ici. Donc on va voir ce que ce jeu PS1 vaut. Entre bonne impression et mauvaise impression, les gens sont partagés sur le net. Donc je l'ai pris. Écoutez, je vais faire mon propre avis là-dessus. J'espère qu'il va être flippant. Et c'est parti. Donc nous sommes dans la salle de maintenance. Et il y a une flèche rouge qui est absolument pressée que j'appuie sur le bouton. Regardez ça, elle en peut plus. Bon, bref, allons-y. Il vient toujours, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Donc jeune fille, c'est Naomi, je suppose. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut se dépêcher. Très bien. Donc, cette première phase, je l'ai déjà faite pour faire mes tests vidéo. Donc, voici. Donc, nous pouvons sélectionner plusieurs éléments qui sont devant nous dans le décor. Donc là, il y a les planches qui sont au sol. Le levier qui est juste à droite. Bon, le levier, c'est un pied de biche, mais bon. Et la machinerie que l'on voit au fond. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur la machinerie? Il y a un tas de plaques de fer et une pile d'équipements à l'intérieur. Il y a quelque chose là-dedans. C'est un compas! Donc, une boussole. Voilà, j'ai trouvé une boussole. Ensuite, nous allons prendre le levier, évidemment. C'est un levier, ça peut servir. Tu as trouvé un levier. Bon, la machinerie, on a déjà interagi avec. On va interagir avec les planches. Voyons. C'est verrouillé avec un cadenas. Il doit y avoir quelque chose d'important derrière. Je me demande si on ne pourrait pas réussir à ouvrir ça. Mais oui, on peut. Il suffit que j'ouvre mon inventaire, comme ceci, et que j'utilise le levier, tout simplement. T'as défoncé le verrou avec le levier. Un escalier conduisant vers les ténèbres. Donc on peut mater la machinerie jusqu'à ce qu'on meure. Ou alors aller dans ce trou, je propose qu'on aille dans ce trou. Et après ce trou, je ne connais pas la suite du jeu, donc ça va être la full surprise. Voyons. Ah, il y a la petite flèche vers le bas, j'appuie. Je suppose qu'on ne peut pas aller ailleurs qu'en bas. Dépêchons, si on reste ici trop longtemps, ce truc va nous tuer. Va nous trouver, pardon. Bon, c'est pareil, hein. Je suppose qu'il ne va pas nous faire des câlins.
Veux-tu sauvegarder? Oui. Alors, comment ça va détecter les cartes mémoire? Créer un nouveau fichier de jeu, oui. Sauvegarde du jeu. Ne retire pas la carte mémoire. Sauvegarde terminée. Bah c'est bon du coup. Ah. Veux-tu sauvegarder? Non. Alors nous sommes dans les égouts. C'est quoi cette odeur? On doit être dans un égout. Si seulement on voyait des escaliers ou quelque chose nous permettant de remonter à la surface. C'était quoi cette chose qui nous suivait? Et qu'allaient faire de nous ces soldats? Et qu'allaient faire... Non, attends, j'ai mal lu. Je suis désolé. Vous n'en savez probablement pas plus que moi, pas vrai? Je m'appelle Naomi Sugiura. J'étais avec des amis et nous avons perdu la notion du temps et puis cette chose est arrivée. Je sais pas, c'est comme si on sortait d'un cauchemar, vous savez? Rien de tout ça n'est réel. C'est comme si ça ne devait pas arriver. Nous devons trouver un moyen de remonter à la surface. Bien. Je peux bouger. Ah d'accord, ça fonctionne comme ça. Donc on voit les superbes graphismes de la PS1, regardez ça. Il y a tout qui bouge, c'est génial. Génial, génial. Donc j'ai appris un peu les touches aussi. Ouais, d'accord, pour regarder en bas et en haut, c'est comme ça. Donc j'ai pas une mobilité comme je veux, hein. Donc là je peux pas aller... Ah si, je peux aller en arrière. Ok. Mais bon, voilà, pour faire demi-tour, hop, faut que je fasse ça et ça. Un peu chiant. Alors voyons ce qu'il y a dans ces égouts. Donc, est-ce qu'il faut que j'aille vers le nord absolument ou pas? Apparemment, là, je peux pas y aller. Hé! C'est quoi? Il y a une marque bizarre. Ça donne la chair de poule, si vous voulez mon opinion. Tu as trouvé une carte en fer. Cette marque, c'est quoi? J'aime pas ça. Ça me fait peur, en quelque sorte. Il parle bizarrement, quand même, les persos. Bon. Donc ouais, on est vraiment dans les égouts. J'espère que sur YouTube, vous voyez bien ce qui se passe dans le jeu, parce que... Je vous avoue que pour moi, c'est... très sombre. Oula. C'est quoi ce bruit, là? D'accord. Oula. Ok, donc là-bas il y a des cascades d'égouts. Répugnant, mais c'est pas grave. Une minute! Il faut sortir d'ici! Ça vient! Ça vient vers nous! C'est derrière nous! Merde! Non. Merde, ça commence. Ok. Ok, on se barre. Est-ce que je peux courir? Oui, je peux courir. Mais je cours et écoutez. Ah, c'est stressant, on n'entend pas les... Ah, j'ai une barre d'endurance, c'est ça. Ouais. Je pense que j'ai une barre d'endurance.
Est-ce que je peux aller là? Faut une carte en fer, hein, c'est ça? Ce qui est sûr, c'est que ça pue ici, pas vrai? Et il fait froid. D'accord, donc carré, c'est pour parler à Naomi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai semé ou pas? Parce que là, j'arrive à interagir avec rien du tout. J'ai la carte. D'accord, triangle, c'est la carte. Donc ça, c'est pour strafer. Très bien. Ok. Donc la carte, ça nous emmène là. Quelle est la taille de cet égout? Ouais, non, mais je veux juste. Je veux juste passer, en fait. Ah, d'accord, ok. J'ai juste fait rond, en fait. Comme si j'allais utiliser un objet. Peut-être que si on se cache ici, il ne nous retrouvera pas. Ouais. Mais si tu veux te cacher, en fait, faut fermer les portes, non? Ah là là. Les portes, faut les fermer. Pourquoi ça tombe sur moi? Non, je m'en fous. Eh ben, j'ai spammé le bouton, je vous promets. Espérons que ça va marcher. A trouvé? Il doit avoir des pieds en plomb parce que là, pas possible de faire du bruit comme ça, merde. Ok, je peux bouger. Ça a marché? Attendez, attendez. Parce que j'ai l'impression que ça veut faire les trucs une fois sur deux. Ok, d'accord. Donc je sens que je vais galérer pour les trucs à ouvrir. Ça va être génial. Pas qu'il arrive là. Ok, non, il s'en va. Ok, il s'en va, c'est bon. Donc quoi, je suis obligé de spammer comme un malade pour activer un truc ou pas? Non. L'extincteur, je peux le prendre. Non. Pourtant, il a l'air si bien modélisé. S'il te plaît. Je spam, hein, au cas où. Très bien, donc on peut pas les prendre. Enfin, j'estime qu'on peut pas les prendre. Ok, on l'entend pas là-bas. Est-ce que ça, c'est un ascenseur qu'on peut activer? Il y a un commutateur, tu veux l'actionner? Oui. Ok, on a actionné le commutateur, on est content. Qu'est-ce qu'il y a là? Voyons la carte. Ok, on n'est pas venu ici. Voyons, voyons. Là, c'est sûrement pour rejoindre l'autre endroit. Oh putain! Ça m'a fait peur. Aïe! Ce câble est tombé à l'eau et émet du courant. On ne peut pas continuer dans cette direction. Il faut qu'on sorte de l'eau.
Peut-être que si l'on trouvait le disjoncteur, on pourrait couper le courant. Ta là là, ce screamer. Alors, une porte. On va l'ouvrir. Hein. Salle de maintenance. Machinerie, machinerie. On n'était pas à la salle de maintenance tout à l'heure. Il y a une légère couche de poussière sur tout. On dirait que rien ne fonctionne depuis plus depuis un moment. Ok, là, forte odeur d'huile dans l'air. Les tuyaux sont parsemés de taches brunâtres. Ça ressemble à... C'est du sang! Mon Dieu! Que s'est-il passé ici? Bon. Donc je suis vraiment venu pour rien? D'accord, très bien. Donc là c'est bloqué. Enfin en rouge, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne sert à rien. Ah là là, quel labyrinthe. Donc, ok. Attends, je suis pas déjà venu ici. Non, c'est juste que ça doit être un peu pareil que l'autre côté, mais... Ok, encore une porte. Salle de maintenance, encore une fois. Machinerie, tout est recouvert de poussière, on dirait que personne... Douille à clé. C'est verrouillé. Je me demande où est la clé. Tu as trouvé une petite clé. On dirait qu'il n'y a plus de verrou. Bien. Donc on a trouvé une clé. Donc on a une carte de fer, une petite clé et un levier. Bien. J'espère qu'on va pas recroiser notre pote. Donc on va aller par ici. Ouais, par là. Oula, je peux plus avancer. Attendez! Là-bas, derrière le tournant! Il nous attend! Il retient son souffle et attend qu'on vienne pour nous. Pour nous surprendre! Ah bon? Ah oui. Il retient son souffle, mais attends, mais dès qu'il bouge, le mec, c'est la fanfare. Bon, s'il va pas plus vite que ça... ça va être facile, en fait. Ouais, ça va être facile, sauf que, bon... J'ai envie de progresser. Tu es sur le chemin. Je suis obligé de la tirer ici, qu'est-ce qui se passe? Ok, il arrive par ici. On va reculer, gentiment. J'espère juste qu'il va aller de... qu'il va pas aller de mon côté. Allez. Va pas de mon côté, s'il te plaît. Voilà. Parfait. Va à l'endroit qui sert à rien. Attendez. Vers l'endroit qui sert à rien, il va pas aller très loin non plus. Attendez. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va pas courir, au cas où qu'il entende mes bruits de pas. Bien. Donc ici, on n'est pas allé. Encore deux chemins. On va aller par là, voir. Allez, cours, 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 cours. Me dis pas que c'est juste un rond. Ok, c'est juste un rond, mais c'est pas grave. Allez, tu as utilisé la petite clé. Ok, parfait. Donc j'ai bien fait d'aller prendre la petite clé avant. Sinon, ça aurait été chiant. Alors, salle du générateur.
Tu entends un ronronnement comme si un générateur fonctionnait tout près. Peut-être qu'on peut couper le courant à partir d'ici. Je pense qu'il y a un commutateur quelque part par ici. Ok, donc il y a deux tableaux de distribution, celui-là. Ça ne bouge pas, c'est cassé. Donc celui-là, tu vois une manette. Ok, je peux pas sélectionner autre chose. Tu règles le commutateur sur off. Ok, on va se barrer. Est-ce qu'il est quelque part? Ok, donc il faut aller tout droit. Allez, on sprint. Ok, donc est-ce que je peux passer maintenant? Oui, c'est bon. Voyons. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, je peux pas. C'est bizarre que j'entends pas mes propres pas. Oh non. Une grosse pile de bric-à-brac bloque le chemin. Espace entre les décombres. Il y a un espace qui paraît assez grand pour qu'on puisse passer. Tu ne vois pas l'autre côté. Veux-tu passer à travers cet espace? Bah oui. Bienvenue. Oh d'accord, mais. Mon nom est Razo. Tout le monde m'appelle comme ça parce que je suis petit. C'est un Tokyo différent de ce que tu connais. C'est un Dark Tokyo. Tout est relié à une barrière, on l'appelle le mesh. Ok. Mais je ne sais pas. Ça va vite. Est-ce que tu es pressé? Pourquoi tu veux pas prendre ton temps ici? Quoi, tu veux t'en aller? Tu es bienvenu pour essayer de t'enfuir. D'accord, donc le mec me garde en pseudo-otage, c'est ça? Voulez-vous sauvegarder? Oui, je vais sauvegarder. Sauvegarde du jeu. Ne retire pas la carte mémoire. Sauvegarde terminée. Eh bien écoutez, sur ce, ben, je vais vous laisser pour cet épisode 1. Vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu pour le moment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour... Ça va arriver très vite, je pense. Je vais tourner d'affilée pour ce petit let's play d'Halloween. À la prochaine.